Bienvenue à tous. Aujourd'hui, vous allez voir Unwin visiter le plus luxueux yacht de la baie de Los Santos. Ce bateau appartient à un milliardaire qatari, le prince Lassal. Ce dernier a décidé d'ouvrir ses portes à Unwin pour lui faire découvrir le grand luxe. Salut tous, c'est Unwin et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, encore un nouveau concept. Vous savez que moi, je suis pauvre, hein, comme d'habitude à chaque fois, 24 heures riche, pauvre, je suis toujours le gars de pauvre, etc. Villa riche, villa pauvre, garage et tout. Donc c'est un peu le même principe. Donc cette fois-ci, j'ai été invité, comme vous l'avez vu dans l'intro, dans le fameux yacht de Lassal, donc qui s'appelle le prince Lassal, donc c'est un prince qatari. Donc on va aller lui rendre visite dans quelques secondes. N'hésitez pas, en tout cas, avant toute chose, avant que cette vidéo commence, à mettre un petit like, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner à mon Instagram qui se trouve juste ici. Il y a un petit concours qui va arriver pour Noël, et moi je vous dis bonne vidéo à vous. Kiffez bien, parce que vous allez kiffer. Voilà, je vous dis bonjour. Bonsoir, très cher. Voulez-vous que je vous fasse visiter mon yacht? C'est quoi ça? Oui, bonjour Prince Lassal. Écoutez, j'aimerais bien passer 24 heures dans votre yacht, donc pouvez-vous me faire visiter s'il vous plaît? Ce serait sympathique. Très bien, suivez-moi, mais ne faites pas un pas de plus. D'accord. Arrêtez-vous ici. Comme vous le voyez devant vous, il y a une ficelle. Passez au-dessus de la ficelle. C'est bon. Très bien. Alors, nous avons des escaliers en marbre de lumière. D'accord. Ce n'est pas une arnaque. C'est une tabarnaque. Par ici, attends. Nous avons... Oh, attendez. J'appelle l'homme de maison. Bernard! Il y a un boulon qui traîne par terre! Veuillez l'enlever! C'est bon, Bernard va arriver. Nous pouvons continuer. Suivez-moi. Oh putain, je suis en train de pleurer, gros. Suivez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. J'étais dans mes émotions, là. Sur votre gauche, sur ma droite, un hélicoptère. L'hélicoptère de Johnny. Wow, Johnny était un ancien propriétaire d'héliport. D'accord, ok. Et ça coûte combien ça à peu près? Et il nous fit ce cadeau de 20 millions de dollars. D'accord. Ça coûte combien? Enfin, 20 millions? Ok, 20 millions. Son fils Jonathan a déboulonné le joint de culasse. D'accord. Par conséquent, il n'est pas utilisable pour le moment. Ok, d'accord, il n'est pas... Et comment vous allez le réparer du coup? Alors, pour le réparer, nous allons faire un import-export. Je peux vous montrer ça en direct. Non, c'est bon, pas pro. Bah, j'aimerais bien que vous me faites visiter un peu plus, parce que on est passé à côté du jacuzzi, et vous m'avez pas montré. Chaque chose en son temps. En ce temps enneigé, neige, hein. Je dois avouer que le jacuzzi doit être d'un réconfort. Oh hein. Vous parlez de cette mare d'eau tout en bas? C'est ça. Ce n'est pas un jacuzzi. Vous appelez ça comment? C'est un aquarium. Ah, d'accord, ok. Venez, je vais vous montrer de plus près. Il y a même la radio ici. Alors, comme vous le voyez, vous pouvez entrer à l'intérieur, c'est un aquarium pour humains. Je peux tester? Oui, allez-y, entrez, c'est pour les humains. Voilà. Wow. Nous pouvons vous rémunérer 2000 euros par mois si vous vivez dedans. Ah, c'est 2000 euros par mois, moi ça me mettrait très très bien. Très bien, nous verrons ça plus tard. Attendez, s'il vous plaît. Roger le Bélier! Il n'est toujours pas là. Nous pouvons continuer la visite. D'accord. Bah, franchement, j'ai bien envie de m'installer. Hein. Est-ce qu'on peut servir un petit verre de champagne, peut-être? Attendez! Oh, dégage! Il y a eu un poisson volant qui est passé au-dessus du yacht. D'accord. Et sur les côtés, on a quoi? Alors, de ce côté-ci, vous pouvez regarder... Très loin en mettant votre main sur votre front. Mettez votre main sur votre front. Ouais. Voilà, et regardez au loin. Que voyez-vous? La mer Noire.
Non, il neige. Ah, bah c'est ce que je vous ai dit. Eh oui, il neige. D'accord. Donc pourquoi il neige? Mais pourquoi vous avez une voix de... Gibraltar? Pardon? Que dites-vous? Vous avez la voix de Gibraltar ou Gibraltar? Mais j'ai une voix tout à fait Zanzibar. D'accord. Bah, j'aimerais bien visiter, vous savez, sur les côtés pour voir un peu ce que... Là, on est déjà monté en haut. Non, nous ne sommes pas montés en haut. Ceci est un pléonasme. Nous sommes montés tout court. D'accord. Et là, nous montons. Ah, d'accord, il y a des trucs là-bas à gauche. À ne pas confondre avec le menton. Mais quelle blague. Je ne peux me retenir de rigoler. Alors, devant vous, nous appelons ça une blase. Vous voyez ce qui est accroché au mur? Ceci permet de flotter, c'est une blase. Ah ouais, c'est une bouée quoi. Le dernier à l'avoir utilisé s'appelait Jonathan. Il y a plusieurs Jonathan chez vous? Un seul. Le deuxième s'étant dévissé la mâchoire il y a fort longtemps. Alors ici, nous avons la cabine du maître des lieux. D'accord. On pourra la visiter. Attendez. Attendez, je m'esclave. Voilà. Donc ici, il y a la cabine que nous pouvons visiter. Oui, effectivement. Alors, en principe, je vous ai glissé le pass dans votre pantalon. Enfin, dans votre mini-short. D'accord. Bah, nous irons visiter après. Mais j'aimerais bien, j'ai vu qu'en bas, il y avait une porte qui permet d'accéder, c'est une porte magique. Au premier étage, si je peux me permettre. Elle permet d'accéder... Au futur, votre futur. Alors, votre futur, où est-il? Alors, ici, on a... Nous allons. Alors, ici, nous avons... Alors, attendez. Wow. Attendez, mais venez pas... Mais vous n'avez pas le droit de... Mais attendez! Oh là là! Je me retiens de vous atomiser à coups de pléonasme. Non, mais revenez par ici. Revenez par ici, voilà. Ici, vous voyez... Vous voyez face au mur? Ouais. Est-ce que vous voyez votre reflet? Oui. Très bien. C'est parce que nous avons installé des miroirs réfléchissants qui réfléchissent la lumière, mais pas votre image. Allez, sautons dans l'eau. Enfin, pas tout de suite. Continuons vers... T'es chelou, toi. D'accord. Alors, il y a une lumière verte. Bon, comme vous le voyez, cette lumière nous vient tout droit du ciel, puisque nous avons été envahis par les aliens il y a un mois de cela. Mm-hmm. T'es débile ou quoi? Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur les aliens, à part qu'ils sont grands et verts. Et verdâtres. Et verdâtres. Très beau canapé au passage. Oui, effectivement, très beau canapé. Alors, vous pouvez vous asseoir dessus le canapé, allez-y. Ah ouais, pas mal. Voilà. On se sent bien. On se sent bourbier, hein, j'ai envie on de a dire. Envie on a envie de se faire, voilà. Comme si on avait une pompe à essence, comme ça. On se sent boui-boui. Ouais. Voilà. Mais je peux me permettre d'aller là-bas? Parce que j'ai vu que là-bas, il y avait une porte d'accès qui permettait d'accéder peut-être aux chambres. Mais je vous permets de rouler dans des bourbiers, allez-y. Waouh, on peut faire du sport en plus, c'est ça qui est bien dans votre magnifique. Alors, nous n'appelons pas ça du sport, mais de la détente physique. Hic, hic. D'accord. Ok, si, donc vous m'avez donné le pass, hein, je vais essayer d'activer le pass. Ah bah, je crois que ça marche. Voilà, c'est ça, le pass est dans votre slip et normalement il ouvre toutes les portes. Soyez poli. Allez-y, rentrez. Je vous permets de vous permettre. Alors, permettez-moi de vous présenter le papier peint. C'est un papier peint qui nous vient tout droit d'Alaska. Ah ouais, quand même. C'est du cuir de phoque. Ensuite. Ah ouais. On va directement en haut. Oh, je vois que monsieur est festif. Nous avons installé un sapin de Noël, monsieur... Vous êtes monsieur? Moi, je suis monsieur Gibraltar.
Ah, monsieur Gibraltar, mais... Voilà, comme le Gibraltar. Mais je ne vous connais pas. Bon, soit, continuons. C'est normal, Waouh, ah ouais, vous avez un écran plasma dans le... Quelque chose m'intrigue depuis tout à l'heure. Dites-moi. Je me retiens quand même de vous transformer en tentacule de phoque humain de Yeti. Ah d'accord, bah... pourquoi pas, hein, ça peut être pas mal. Alors voici la serveuse. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Luna, Luna Bella. Luna, enchantée Luna. Merci. Oh, je me permets. Hein. C'est du whisky qui nous vient de... d'où ça ? Alors, elle s'appelle Luna Bella, mais son nom de famille c'est Hot for Duma. Donc vous pouvez l'appeler Luna Bella Hot for Duma. D'accord, ok. Luna. Bah merci à toi Luna, bah, très 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 charmante. Hein. Voilà. Ok. Waouh, c'est magnifique votre bar. Je me permets de montrer à mes internautes votre magnifique. Waouh, vous avez une cave à vin et tout. Alors, ceci n'est pas une cave à vin, mais un yacht à vin. Très très beau. Très 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 beau. D'ailleurs, vous êtes français, vous venez de France. C'est ça. Mais vous avez un joueur qui s'appelle Tovin. Oui. Bah il est Tovin, mais il est pas trop, il joue pas trop. Ah non mais je me disais peut-être est-ce l'inventaire du vin. D'accord, ok. Et en dessous nous avons les chambres, j'imagine, ou pas? Oula, alors attendez, parce que vous avez les pieds sales, je ne peux pas vous laisser entrer comme ça sur le tapis. D'accord, c'est bon. Hop. Nettoyez-moi ça, s'il vous plaît. Attendez, je prends une lingette. Voilà. Sinon, vous pouvez toujours vous lécher le plat du pied. Oui. Ça marche également. Waouh. Très bien, entrez. À la droite, ici. On a enlevé. Alors, le tapis est un... C'est de la peau... Ah, oulalalala, c'est de la peau d'ours. Oula, par contre, vous avez oublié de ranger vos jouets, il me semble. Quel jouet? De quoi parlez-vous? Je vois une mine, ici. C'est une véritable mine, ce n'est pas un jouet. D'accord. Et ici, je suppose qu'on a une douche. Alors, c'est une douche faite à base de parpaings. Donc, nous avons posé des parpaings les uns sur les autres. Et cela a donné une douche. Ok, d'accord. Pas mal. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Pouvez-vous revenir? C'est du parpaing de Madagascar? Vous voyez cette brosse à dents? Oui. Voilà, faites attention quand vous l'utilisez, parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas une brosse à dents. C'est une brosse à anus. Donc vous pouvez vous nettoyer l'anus. D'accord, ok. Voilà. Et ce n'est pas du dentifrice. Ce sont des antibiotiques. Ok. Bah, je propose qu'on aille un peu visiter là. Alors, oui, effectivement. Alors par ici, donc sur l'étagère, nous avons un slibar. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un slibar. Par contre, vous avez des outils ici. Ça fait peur. Ah, c'est des outils de maquillage, d'accord. Vous avez une femme, peut-être? Non, ce ne sont pas des outils de maquillage, ce sont des suppositoires. Voulez-vous que je vous en mette un? Non, c'est bon. Très bien, nous continuons. Avons aussi, donc, du coup, le même système de douche, hein, en parpaing. Alors ici, ce n'est pas une douche. C'est un envoi peinture. Et là, c'est la plus grande. Donc le principe, c'est de vous envoyer de la peinture sur le corps et de dessiner une fresque contre le mur, en guise de souvenir. Oh, shit. Ah, oui, alors, ce n'est pas une chambre, c'est une suite parentale. Waouh, la suite parentale est juste magnifique. Elle est, disons que... Moi, si je devais me construire une maison, je ferais une suite de la même sorte. Vous savez, pour toucher à ce que je touche. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire, c'est une sorte de pijule. C'est ça. Eh bien, je crois qu'il ne reste plus que le haut à visiter. Hein. Alors... Le haut. Oui, effectivement, allons-y. Allons-y. Crazy, crazy, crazy. Alors, du coup, vous m'avez dit que... Bah le yacht, je vous ai pas demandé, mais le prix du yacht, à peu près, c'est à peu près combien? Alors, le prix du yacht, venons-en. Alors, le prix du yacht... s'élève, hein, c'est une estimation, bien évidemment. Le prix du yacht est d'environ... T'es malade quand tu conduis?
122 millions de dollars. 122 millions ? En bombe, bien évidemment. Waouh. Alors, je sais pas si vous avez pu rentrer. Entrer, non, je suis devant la porte. On ne m'a pas invité, donc j'attends. Je ne peux pas rentrer. Voilà, je vous attends de toute manière, puisque le commandant est à l'intérieur, il m'a klaxonné, il m'a fait si bonjour et roar. Pardon ? Wow. Vous dites ? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, mon oui est bouché. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, en fait, on se situe ici et Ah, pardon, excusez-moi. D'accord, waouh. Très beau. Très joli. Très esthétique. Je vais montrer en première personne quand même. Excusez-moi des mots, hein, je pense que ça vous dirait en première personne. Mais c'est une sorte d'outil. Très très beau. Un marteau pic. Tu sais que je peux déplacer le yacht où je veux. Hein. Effectivement, vous pouvez le déplacer à votre guise. Par exemple, à l'aéroport ? On peut essayer ? L'aéroport, non, mais l'aéroport. Waouh ! Ah oui. Donc en fait, tout simplement, votre pilote, je lui dis je vais aller là, il va là, quoi. C'est ça, et pour le stopper, il suffit de tirer net. Voilà, tirez ! Tirez toutes vos forces, tirez ! Allez-y, tirez, n'ayez pas. Allez, poussez. Wow, voilà, tirez. Non, ne poussez pas, tirez. C'est différent. On est arrivé. Nous sommes arrivés, effectivement. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a des requins dans l'eau. Faites attention, ne sautez pas. C'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Ah, il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est par rapport à l'hélicoptère. Oui. Voilà, donc vous m'avez demandé tout à l'heure comment le faire fonctionner. Donc allez-y, montez, je vous explique. Donc en fait, nous faisons ici de l'import-export d'hélicoptères. Donc nous allons le bousiller en moins de deux et en faire livrer à un autre qui fonctionne. Voilà, sautez maintenant, remontez à la surface, faites attention. Et j'en peux plus de faire ton rôle bizarre là. Oh my god. Le mec, mais attends, je me dis, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Bah c'est toi, tu me dis tu dois faire un riche valet bizarre. C'était, je pouvais pas, au début j'étais mort. Viens. Donc du coup c'était 24 heures dans un yacht de luxe, donc c'était un peu bizarre par rapport aux épisodes précédents. Mais honnêtement, j'ai eu beaucoup de rire. Je sais pas si vous avez kiffé la vidéo, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont kiffé. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Activez la cloche si c'est pas déjà fait. Moi, l'Instagram, ça fait juste ici. Écoute, Hassan, est-ce que t'as un petit mot à dire pour finir? Ouais, je devais dire que c'était quand même une magouille de Marastagua tout ça. Ouais, c'était chaud. Et moi, ouais. Je vous dis au bye.